Bonjour la team 2.0 et bienvenue pour un nouvel épisode de ma survie Jurassic Park. Alors, regardez-moi ça mes amis, ici, eh bien, les tamis, eh bien, ont tamisé et on a, eh bien, nos premiers fossiles qui sortent de la terre ou bien du sable, hein, ça dépend. Comme vous voulez, j'ai un petit peu avancé sans vous. Excusez-moi, j'ai récolté un tout petit peu de fer sans vous. J'espère que vous allez m'excuser. Pour ma part, on va faire cuire le fer, on va faire cuire quelques petites patates histoire de pouvoir manger. Parce que mon estomac crie famine, mes amis. Qu'est-ce que c'est que cette petite créature? Qui c'est qui marche ici? C'est pas un petit dinosaure? Oh non, c'est absolument pas un petit dinosaure. T'es quoi, toi? Oh! Oh, c'est un gros slime! Oh! Il m'a grignoté! Ah oui? Et je vois plus rien. Ah, ça y est. La lumière, elle est revenue. Tu files, idiot, va! Voilà, nickel! Moi, je te mets des coups de gigot, mon ami, bien sûr. Le gigot, ça fait mal. Ça fait 7 cœurs et demi de dégâts. Oh mon dieu! Mes amis, vous entendez ce bruit? Oh non! Non! Je peux plus voir, il y a un T-Rex juste à côté! Oh dieu du ciel, il est revenu me voir! Petit! Tu es sage ou pas? Hein, tu es un bon tyrannosaure! Oui! Voilà, il est où? Oh, il est juste là, regardez ça! Oh la vache! Tais-toi! Fille idiot, va! Tu restes pas chez moi, hein? Tu es sage? Oh là là, ça c'est un bon dinosaure, ça. Oh non, non! Oh la vache! On ferme la porte, mon ami! Voilà! Nickel! Bref, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des murailles très très bientôt autour de chez moi parce que vraiment c'est pas bon ce qui se passe. Bref, mes amis, pour ma part aujourd'hui, l'objectif, eh bien, ça va tout simplement être de faire des œufs. Et pour faire des œufs, eh bien, il va tout simplement falloir que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est faire un séquenceur d'ADN. Il me semble que ça se fait comme ça. Oui, et toi, tu te calmes, mon ami, tu te calmes, hein, je vais m'en aller de suite. Allez, hop, c'est parti, on met ceci à analyser et on va partir. On va partir dans les mines, mes amis, parce que je peux pas rester ici. Je peux pas rester ici, pas du tout. Allez, on s'en va. Oh mon dieu, et il faut que je parte par là, tout simplement, pour pouvoir... Allez, dans ma grotte. Allez, YOLO, mon ami. Tu restes ici. Oh oui, tu vas rester ici, toi, mon tabarnak. On s'en va. Vite, mon Johnny, tu files. En fait, là, je suis en train de me dire qu'avec le T-Rex qui campe devant chez moi, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je crée des murailles et une vraie base autour de chez moi. Parce que là, ça va pas du tout. On peut pas rester comme ça. Il faut que je récolte beaucoup, beaucoup de minerais. Il faut que je récolte beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être une galère sans nom, mes amis. Oh là là, regardez ça, nous sommes dans le paradis, tout simplement, eh bien, du mineur du Jurassique, et ça fait plaisir. Allez, mon ami. Oh là là, tout ce permafrost avec des petits os. Donne. Oh, shit, qu'est-ce qui se passe dehors? Oh, vous vous calmez, tu te calmes, Notch, tu te calmes. Sinon, ça va pas le faire. Oh, attends, j'ai eu un livre. What the fuck, on a eu des livres, mon ami. On a eu des livres directement. Bon, ça fait plaisir, écoute. Oh. Oh, regarde-moi tous ces petits os qu'on va pouvoir analyser, tout simplement pour pouvoir, eh bien, nous faire notre premier œuf de dinosaure. Oui, mon ami. Et ça fait plaisir. Bref, on va continuer l'exploration de crevasses, parce que moi, pour ma part, il faut que je récupère du fer pour une armure, et il va falloir que je récupère, eh bien, du biofossile pour espérer, je dis bien espérer, eh bien avoir un œuf de dinosaure et avoir mes premiers dinosaures à moi. Alors mes amis, j'ai énormément miné. On a, eh bien, du fer à plus savoir quoi en faire. On a également du gold. Et on a plein d'autres trucs dont on sait absolument pas à quoi ça sert. Mais, à l'instant, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert une espèce de cavité où il y a des espèces de bougies. Alors va-t-on savoir à quoi elles servent? J'en ai pas la moindre foutue idée. À quoi tu sers, petit? Bonjour. Oh là, mon ami. Comment vas-tu? La forme ou quoi? Oh la vache, regardez ça. Oh, on a une maman tyrannosaure avec un œuf, mon ami. Regarde, il est juste là. Un petit œuf de dinosaure. Petit. Oh, et en plus, il va bientôt éclore. Oh la vache. Oui, tu vas être à moi, toi, petit. Je me suis un petit peu éloigné parce que pour le moment, le T-Rex ne m'a pas vu. Mais je ne peux absolument pas y aller, eh bien, armé comme ça. On va pas se le cacher. Je vais pas y aller avec une armure inexistante et pas d'armes. Non, on va y aller armé, mes amis. Nous revoilà à la maison. Et ne voilà-tu pas quelqu'un qu'on connaît? On a le T-Rex, alias Tommy, qui est juste ici. Oui, je vais donner un petit surnom parce que lui et moi, on est devenus potes. Non, je rigole. En fait, c'est Raja qui lui a trouvé un petit surnom. Grosse dédicace à toi, Raja.
Tommy, Kiki, tu es sage, hein, mon Tommy, tu es sage, hein? Oui. Tu es sage. Voilà, tu me laisses venir ici et on va mettre du fer à cuire ici et on va s'occuper de toi, mais juste après, frère. T'inquiète même pas. Oh, t'es tombé dans l'eau, mon Tommy. Oh, tu vas rester ici pour les siècles des siècles. Ou en fait, pas du tout. Pas du tout. Non, non, ne poursuis pas. Non. Oh, on le re... Oh non, on l'a à nouveau ramené à la maison. Oh, c'est pas vrai, mais quelle calamité. J'ai réussi à rentrer à la maison. Ça va être la nuit. J'espère que Tommy va pas venir nous dire bonjour. Mais moi, maintenant, il est temps, eh bien, de construire une espèce de muraille qui va entourer ma petite base et qui va me protéger, surtout. Oui, parce qu'on en a marre de se faire agresser par Tommy. Mes amis, j'ai excité Tommy dans son sommeil pour voir si la muraille allait les tenir. Parce que oui, j'ai construit une muraille anti-Tommy. Et apparemment... Oh, elle doit fonctionner. Enfin, du moins, j'espère. Oh, oui, ça fonctionne. Hey, idiot du village, j'ai plus peur de toi. Allez, file. File, idiot, va. Voilà, nickel. Bref, pour ma part, mes amis, eh bien, je vais automatiser ces petits amis parce que j'en ai marre de les remplir toutes les 30 secondes. Bref, c'est parti. Il me reste plus qu'à mettre les petits coffres et à remplir les tamis. Bref, on va récupérer tout ce qui est ici, mes amis, et on va remplir ici. Et regardez, eh bien, littéralement, ce truc-là se remplit. Et du coup, eh bien, il y a l'entièreté des choses qui tombent dans le coffre ici. Et oui, Jamy, et ça, ça fait plaisir. Pour ma part, il est temps, eh bien, tout simplement, d'aller chercher le petit œuf. Allez, hop, on se met un petit casque. On va se faire tout simplement, eh bien, le magnifique plastron, le pantalon, et puis, dernièrement, les bottes. Nous sommes tout beaux. Nous avons, eh bien, notre gigot d'agneau pour taper. Tommy ne doit pas être loin. Il est parti. Oh, il fait une petite sieste là-bas, gentil Tommy. Et moi, eh bien, je vais aller chercher le premier œuf de dinosaure, mes amis. Alors, du coup, j'espère que comme il fait nuit et qu'il pleut, eh bien, maman dinosaure est tout simplement en train de faire une petite sieste comme Tommy. Oui, bien sûr que oui. Oh oui, elle fait une sieste. On va aller lui bouffer son œuf. On va pas aller le bouffer. On va aller le récupérer gentiment. Tu es sage, hein, tu bouges pas. Voilà, nickel. Hop. Et c'est pour moi. Oh, on a notre premier œuf de tyrannosaure. Et toi, tu bouges pas. Oui, on s'en va. Je pense que maman dinosaure va être très très énervée de ce qu'on vient de faire. Oh oui. Oh mon dieu, ça a été si simple. Un bonheur. On va rentrer à la maison et on va le poser, le petit œuf. Oui, on va poser le petit titi. D'ailleurs, les amis, si jamais vous kiffez cette série, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, parce que sinon, eh bien, vous ne verrez tout simplement pas la suite de cette série. Et oui, et ça, ce serait très très triste. Alors du coup, moi, je viens de rentrer à la maison et je viens de me poser mon petit œuf de dinosaure juste ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui trouver un petit prénom. Comme ça, dans la prochaine vidéo, celui qui a trouvé le meilleur prénom, eh bien, aura une petite dédicace, bien évidemment. Alors moi, pour ma part, du coup, il faut que je regarde ici. Oh, on a eu de l'ADN. On a eu de l'ADN d'Ichtinosaure. On a notre premier ADN qui va faire revivre, eh bien, nos premiers dinosaures. Qui dit ADN de dinosaure dit cultivateur. Et un cultivateur, eh bien, il va tout simplement me falloir du cactus pour ça. Parce qu'il va me falloir tout simplement ce qu'on appelle du colorant vert. Et écoutez, on va aller chercher du colorant vert. Oh mon dieu, regardez ce qu'on vient enfin de trouver. On a enfin du cactus, les amis. Enfin, 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 il était temps. On a parcouru des milliers de blocs pour arriver ici et trouver enfin un cactus et enfin faire un petit peu de colorant vert. Ouh, ça a été long. Pour vous, c'est juste une coupure. Pour moi, c'est 20 minutes de marche. Et moi, pour le coup, pour être sûr de ne plus jamais manquer de cactus, eh bien, on va tout simplement planter des cactus. Eh oui, il est intelligent, le Johnny, bien sûr que oui. Oh, oh, regarde ça. On est un bébé T-Rex. Holy shit. Mais tu vas où, toi? Tu vas où, espèce d'idiot, va? Oh la vache. Oh, il m'a l'air d'être énervé. Voilà, reste ici. Alors, pour le moment, je sais absolument pas comment le nourrir. Donc, si jamais vous avez une idée, eh bien, dites-moi-le. Parce que là, pour le moment, eh bien, c'est la galère. Alors, moi, pour ma part, je me récupère mon cactus. Et on va se faire, tout simplement, notre incubateur. Oh là là, les amis, je suis tellement content. Regardez, on l'a. On a le cultivateur. Il est juste ici. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va se faire. On va prendre notre séquenceur d'ADN. On va se prendre notre ambre qui est juste ici pour le coup. On va mettre ceci ici. Et il n'y a absolument rien qui se produit. Je reviens dans un instant. Alors en fait, si ça fonctionne pas, c'est tout simplement qu'il me faut, eh bien, du lait. Et oui, on va aller chercher du lait. Parce que sinon, eh bien, on ne pourra pas faire éclore notre première œuf de dinosaure qu'on a fait nous-mêmes. Oui.
Petit, 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 on les a entendus. Allez, meuglez les vaches, meuglez. J'ai besoin juste d'un seau de lait. Attends. Oh, elles sont juste là. Oh, j'ai mis tellement de temps à vous trouver, bien sûr. Bref, on a notre seau de lait, on peut rentrer à la maison. Et j'adore le skin de ces petites vaches. Oui, mon ami. Et en espérant avoir tout simplement, eh bien, notre petit œuf de dinosaure qui va sortir d'ici peu de temps. Il faudrait peut-être, en fait, qu'un de ces quatre, eh bien, je commence à nourrir mon tyrannosaure parce que sinon... Il va avoir faim, le pauvre. Oh, sweet home, mes amis, nous voilà enfin à la maison. Et on va enfin pouvoir mettre notre lait ici. Oui. Et ça y est, c'est parti. On va peut-être avoir notre premier œuf de dinosaure. Et là, on va aller le nourrir, le petit. Tiens, tu manges? Non, tu manges pas. Mais quelle calamité. S'il te plaît, mange un peu. Tu manges pas? Oui, je sais, c'est des choses qui arrivent. Je vais chercher et me renseigner comment te nourrir. Enfin la nuit, je vais pouvoir mettre en place mon plan machiavélique. Alors, avant de mettre en place un plan machiavélique, on va tout simplement mettre ici à nouveau des biofossiles pour espérer avoir des dinosaures. Donc du coup, c'est fait. Comment ça, cultivation has failed? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je sais pas. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai un champimeux qui vient de sortir de mon cultivateur ici? T'es sérieux? T'as vu comme j'ai galéré pour faire mon cultivateur? Bon bah du coup, mes amis, sur cet échec cuisant, je ne vais pas mettre mon plan machiavélique en place sur cet épisode parce que je suis vraiment déçu de pas avoir mon premier œuf qui va éclore. On a le dinosaure ici qui est mort. Oh mais quelle fin d'épisode catastrophique pour moi! J'ai envie de vous dire que pour ma part, les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez kiffé. Mettez un petit like pour le soutien. Ça fait plaisir, je vais en avoir besoin. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.